ជូនជន់រួមជាតិជាទីគោរពស្នេហាទស្សនានៅបេតិកភណ្ឌដ៏មហាប្រសើរនៃជាតិយើងដែលព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមលោកបានសាងសង់ដើម្បីលើកតម្កើង ព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាជាតិសាសនារដ្ឋនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងព្រះអង្គលោកបានរៀបចំដ៏ល្អប្រសើរបំផុតទាំងខាងក្រៅទាំងខាងក្នុងដែលជាទីមោទនភាពនៃជាតិយើងទាំងមូលគឺវត្តព្រះវិហារព្រះកែវមរកត ប្រាងសេះគេហៅថាប៉ាកូដដាងសងប្រែមកថាវត្តប្រាក់ធ្វើអំពីប្រាក់ប្រាក់គឺមាននៅក្នុងព្រះវិហារដែលក្រាលឥតនោះសុទ្ធតែជាប្រាក់ប្រាក់សុទ្ធក្រាលប្រាក់សុទ្ធហើយព្រះបរម ព្រះពុទ្ធរូបគឺធ្វើមានព្រះអង្គមួយព្រះអង្គគឺមាសសុទ្ធហើយមានដាំពេជ្រព្រមទាំងព្រះអង្គគង់ខ្ពស់បំផុតគឺនឹងហើយដែលហៅថាព្រះបរមពុទ្ធអង្គប្រកែវមរកតដែលជានិមិត្តរូប J'ai l'honneur de vous présenter une merveille de l'architecture post-encorienne et un symbole très important du bouddhisme, religion d'État. Du royaume du Cambodge. Ce que nos amis français appellent la pagode d'argent, nous nous appelons la pagode d'émeraude, parce qu'il y a un Bouddha d'émeraude qui trône dans le temple. En plus, il y a une statue du Bouddha debout en or massif. Mais l'appellation pagode d'argent vient du fait que les dalles du temple que vous verrez sont en argent pur. Tout cela est l'œuvre de Sa Majesté le roi Norodom. Et cela appartient au peuple, à la nation. Sa Majesté Norodom avait construit cette pagode qui est un joyau de notre royaume après encore et que visitent tous les chefs d'État venus au Cambodge. Ce patrimoine inestimable est légué par Sa Majesté Norodom à son peuple, à la nation cambodgienne, afin que le Cambodge, son peuple et sa nation puissent jouir de la paix et recouvrer l'indépendance nationale dans l'intégrité territoriale, ce qui finalement s'est passé en 1953, où nous avons réussi ensemble, roi et peuple cambodgien, à recouvrer pour le Cambodge l'indépendance totale. Préa-barom-rou-kong-seh, lé-pra-karuna-prabhat-sandak-prah-narodong.
l'auguste statue de Sa Majesté le roi Norodom, bâtisseur de cette célèbre pagode d'argent, tout à côté de son royal palais. Sa Majesté est représentée sur un cheval blanc. Nau khang muk nei pra rieche vihia trakai mirakot chun ruom chiet chi tisnaha lok ban khoeng pra rieche chi chaet dai nei prakaruna prabat samdaich preah Norodom ning samdaich pra ayukao samdaich pra ayuka nei khnyom prah ong samdaich pra sutharos prom teang ប្រអាយុកោប្រអាយុកា ទួត លួត ហើយ នេះ ប្រវាជាចេតិយ ឧបពម្ដាយ ខ្ញុំ គឺ ប្របាទ សម្ដេច ព្រះ នរោត្តម សុរាមរិត និង ប្របាទ សម្ដេច ព្រះ មហា ក្សត្រិយានី ព្រះ ស៊ី សុវត្ថិ កុសុម ហើយ ចេតិយ នេះ គឺ ជា ចេតិយ នៃ កូន ខ្ញុំ ព្រះអង្គម្ចាស់កន្ធោបុប្ផាដែលសុគតក្នុងឆ្នាំ Con cao nghe kỳ dọc miếng nâng tấu Kê cập tên chào Nhóm mát đám nhà Riêng chờ rõ thập y ba Dương Riêng chờ nà chắc Bà chờ bọn nà cao ní thà Bê nà khi nhóm Tổ tùa là nê chì cam tấu Khi nhóm Thiệt khi nhóm xong Ôi đạc nâu khăn ông chá tây nì Đã chì chá tây Bà ông chá con thà bộ phà Devant Le temple royal, vous avez vu les stupas de Sa Majesté, le roi Norodom, de mes grands-parents, Samdaj Preah Sutharos et son épouse, c'est-à-dire mon grand-père, ma grand-mère paternelle. Ce stupa royal est celui de mes parents, Sa Majesté Norodom Suramrut et Sa Majesté la Reine Sisowat Kosama. Le petit temple là que vous voyez là, était le stupa de ma fille, la princesse Kantamopa, morte en 1952. Par suite d'une leucémie foudroyante. Et sous la République mère de M. Longnol, on a volé l'urne en or de ma fille. Alors ses cendres aussi ont été dispersées, c'est-à-dire ont disparu. J'ai demandé au gouvernement royal du Cambodge actuel de déposer mes cendres lorsque je serai mort, déposer mes cendres dans ce petit temple de style angkorien comme le monument de l'indépendance. Mes cendres seront déposées là, dans le stupa de ma fille Kantabopa. Yeah.
Dans ce petit temple, nous pouvons admirer des statuettes du Bouddha assis ou du Bouddha debout, très anciennes, mais de la période post-angkorienne et aussi une très ancienne statue du Bouddha entrant dans le nirvana, le Bouddha couché entrant dans le nirvana. Et ici, c'est une sculpture ancienne représentant à sa surface le pied sacré du Bouddha, le pied droit du Bouddha avec des inscriptions et aussi des sculptures très remarquables. Tout cela date de l'époque post-angkorienne. Nous clons Brahmiatonit Mien Prabhat ព្រះពុទ្ធអង្គជាអម្ចាស់ព្រះបរមគ្រូប្របាទធំចម្លាក់បុរាណមានតម្លៃណាស់ dans ce pavillon dit du grand pied du Bouddha, vous pourrez admirer une sculpture ancienne de l'époque post-angkorienne, grande sculpture représentant un pied géant du Bouddha. Dans le pavillon là, à ma gauche, se trouve une statue ancienne de l'époque post-angkorienne du dieu bœuf. Le bœuf est le symbole d'une agriculture prospère. Une agriculture prospère est vitale pour le Cambodge. Nous knong ra akia ni kha chweng dai khnyom ni na ku mien knong akia nu pra ru ព្រះរូបនេះគឺជីដូនជីតាយើងលោកគោរពហើយហើយនេះបានគេបានឆ្លាក់ព្រះរូបព្រះគោជានិមិត្តរូបនៃកសិកម្មសម្បូរសប្បាយប្រទេសយើងគឺកម្ពុជា រំពឹងជាបឋមលើកសិកម្មនេះជាគំនូរល្អប្រពៃណាស់តម្លៃនោះវាតម្លៃមិនបានទេតាំងពីរាជបកូនាព្រះសវណ្ណកោតមកតែឥឡូវខូចខាតច្រើន តាំងពីចម្បាំងឆ្នាំ 1970 រដ្ឋាឆ្នាំ 1970 មកគឺថាមកដល់ឥឡូវគឺខូចខាតច្រើនយើងខ្ញុំរំពឹងថាមានប្រទេសធំណាមួយទីគេនឹងជួយឲ្យខ្មែរយើងធ្វើកំនូរនេះឲ្យល្អឡើងវិញឲ្យល្អដូចដើមឡើងវិញ តាំងពីលើដល់ក្រោមគំនូរនេះមានជុំវិញ
Tout autour du temple royal du Bouddha d'Émeraude, vous avez des peintures murales d'une valeur inestimable datant de Sa Majesté Père Norodom. Malheureusement, depuis le coup d'État de M. Lhondol, en date du 18 mars 1970, tout a été laissé à l'abandon. Et c'est ainsi que ces peintures murales inestimables tout autour du temple royal Prahvihirpakaivirkop, pagode d'argent, ou plus précisément, plus exactement, pagode du Bouddha d'Émeraude. Alors, il s'agit de peinture murale qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres tout autour du temple royal. Alors, vous avez des scènes du Ramayana, etc. Alors, tout a été laissé à l'abandon depuis 1970 et j'espère que un jour non lointain, une grande puissance amie, ou deux ou trois puissances amies, voudront bien aider nous, Cambodgiens, Cambodgiennes, à restaurer toutes ces peintures de haut en bas, parce que c'est très dégradé et là, c'est vraiment, on voit les briques qui réapparaissent, alors que c'était une couche de peinture ancienne. ក្រោយមកនេះទៀតមានអនុស្សាវរីយ៍ធំមួយដែលមានតម្លៃណាស់ដែលអាយុដំលោកមហាសេនាប្រមុខកឹមអ៊ីលសុងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េលោកបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំក្នុងឱកាសចម្រើនអាយុខ្ញុំតាមមានចម្លាក់អង្គរវត្តមានតាមទឹកទឹមពេជ្រមានពេជ្រ60ក្រាមជុំវិញអង្គរវត្តដែលធ្វើអំពីមាសហើយផើងធំនេះគឺធ្វើអំពីប្រាក់អំពីថ្មកែវដល់អរប្រពៃ.
ici, à l'intérieur du temple royal, du temple sacré dédié au Bouddha par Sa Majesté Père Norodom. Il y a beaucoup d'objets de très grande valeur qui sont, ont été offerts au Bouddha par nos souverains et souveraines successifs. Et il faut dire que, en dépit du fait que sous le règne de M. Lornol et sous le règne de M. Pol Pot, il y eut beaucoup de vols d'objets de très grande valeur au palais royal et ici à la pagode d'argent, il reste néanmoins beaucoup de grands souvenirs ici à l'intérieur que vous pourrez admirer. Et plus récemment, Son Excellence le Maréchal Lee Sim, comme ils sont président de la République populaire démocratique de Corée, à l'occasion de mon 65e anniversaire, a bien voulu m'offrir un très grand souvenir que je dépose ici en hommage au Bouddha.